أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لوجه الله nous le glorifions nous demandons son aide et appelons son pardon nous croyons en lui et en lui nous plaçons notre confiance nous cherchons protection près de lui contre tout mal venant de nous-mêmes et contre le mal fait de mauvaises actions celui qu'Allah guide personne ne peut l'égarer celui qu'Allah égare personne ne peut le guider les enseignements et les leçons tirées de la hijra nous poursuivons notre discours sur la hijra il est certes nécessaire et important de tirer des leçons de cet événement majeur dans l'histoire de l'islam et celle de l'humanité qui est la hijra. Premièrement, le sacrifice. En effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque, sa tribu, ses proches. Il a dit dans un hadith sallallahu alayhi wa sallam, je jure par Allah que tu es certes la meilleure terre d'Allah, celle de ceux qui l'aiment la plus. Et si on ne m'avait pas fait sortir de toi, je ne serais pas sorti. Lorsque Sohaib al-Rumi radiallahu anhu voulut immigrer, les polythéistes de Quraysh lui dirent, tu es venu chez nous brigand, démuni. Tu as fait fortune chez nous, et c'est grâce à cela que tu as une situation confortable. Et maintenant, tu veux t'en aller avec ta fortune? Sache qu'on ne te laissera pas faire. Sohaib radiallahu anhu leur répondit, et si je vous laisse tous mes biens, me laisserez-vous partir? Ils répondirent oui. Sohaib radiallahu anhu leur dit alors, je vous laisse mon argent. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prit connaissance de cette histoire, il dit Sohaib est gagnant. Deuxièmement, pas de désespoir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est resté des années à la Mecque en transmettant le message d'Allah, appelant à Allah avec clairvoyance, sans y avoir trouvé de la part de la majorité de Quraysh que le rejet et le détournement à son appel. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais désespéré de la miséricorde d'Allah. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam partit à Taïf, chercher refuge auprès de Thaqif, une tribu de Taïf, espérant qu'ils accepteront de se convertir à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur parla de la religion de l'islam et les appela à la vérité, mais ils refusèrent sa demande et l'insultèrent. Puis, ils envoyèrent des voyous, des vagabonds pour le suivre dans la rue, en l'insultant et en le jetant des cailloux, jusqu'au point où les pieds du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se mirent à saigner. La situation aurait pu paraître désespérante. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam tourna ses efforts vers les tribus des Arabes étrangers, attirés par les cérémonies du pèlerinage autour de la Kaaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela à l'islam, mais 15 tribus parmi eux refusèrent à cet appel, jusqu'au jour où un groupe appelé Ansar répondirent à cet appel. Troisièmement, le bon accompagnement. Il se manifeste clairement avec Abu Bakr radiallahu anhu, auprès de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tandis que celui qui vient avec la vérité et celui qui la confirme, ceux-là sont des pieux. Beaucoup de Mufassiroun, les exégètes du Coran, disent que celui qui la confirme, comme cité dans ce verset, concerne Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu. Quatrièmement, prendre pour cause la planification, la stratégie et l'organisation, ainsi tout ce qui peut s'avérer utile. Cinquièmement, at-tawakkul, c'est le fait de placer sa confiance totale en Allah en prenant les causes, d'être sûr de son soutien à toute épreuve. Allah le Très-Haut dit, celui qui t'a prescrit le Coran te ramènera certainement là où tu souhaites retourner. Surat al-Qasas, verset 85. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, a dit à propos de ce verset, qu'Allah, azza wa jalla, a promis au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il retournera à la Mecque après l'expulsion des Qurayshites. Frères et sœurs de l'islam, al-hijra, dans un sens, c'est le fait de s'éloigner des péchés, de délaisser ce qu'Allah interdit, et de ne pas fréquenter les pécheurs et les égarer. Allah le Très-Haut a dit au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans la sourate Al-Muzammil, l'envelopper et endure ce qu'ils disent et écarte-toi d'eux d'une façon convenable. En effet, la hijra en réalité, c'est un cheminement spirituel, une orientation du cœur vers Allah Azza wa Jalla avec un repentir sincère. Qu'Allah, Seigneur des mondes, soit loué et que la paix et le salut soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent jusqu'au jour de la résurrection. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.